Looking for your eyes without knowing it was you.
Welcome to my experience, mesdames, messieurs. Bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous sommes dans une situation d'apothéose, même si nous ne sommes pas les plus nombreux du monde ce soir. S'il appartenait à la race des dinosaures, il serait pour moi un diplodocus de la musique mondiale. Celui qui nous reçoit ce soir parce que nous sommes chez lui, à domicile, sur ses installations, est une fierté nationale, un enfant du pays. Il fait tout autant la fierté du Gabon que celle du continent tout entier, et le monde nous l'envie. Il est avec nous ce soir. La musique pour lui n'a pas de secret. C'est un passionné de jazz. Il a essuyé tous les bancs des universités mondiales de jazz, mais comme un félin affamé, toujours en quête de nouvelles proies, pleines de chair bien charnue, il a surfé sur la vague du R&B, de la soul et de la salsa. Aujourd'hui, il nous reçoit. Mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir que je vous demande d'accueillir ce jazzman né, messieurs, Frédéric Gassita. Ouais, tout va mieux. C'est moi, ouais. C'est moi. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Allez, je te tutoie, tu me le permets? Oui, bien sûr. Bien voilà. Sûr. Alors, je te présente tout de suite à chaud, Laura Deva. Enchantée, Laura. Ouais, ben, bonsoir. Bonsoir, monsieur Frédéric. Ce soir, c'est ma co-présentatrice et elle a plein de petites choses à te demander. D'ailleurs, je vous laisse tous les deux tout de suite. Ben, déjà, bonsoir. Régis, salut, Massima. Laura. Ouais. Voilà. Et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Soirée exceptionnelle, spéciale, pour une personnalité spéciale, car, comme vous l'avez constaté, Dieu lui a donné pour mission de pouvoir nous bercer à travers ses sonorités, je dirais, envoûtantes, apaisantes, mais surtout transportantes. Hein. Programme exceptionnel, donc, parce que durant ce programme, nous allons pouvoir parcourir l'expérience de M. Frédéric Gassita, qui nous a rejoint d'ailleurs sur ce plateau et qui nous a merveilleusement fait grâce hein, de cette magnifique mélodie « Message of Love ». Message of Love qui figure d'ailleurs dans son quatrième album, My Experience. Absolument. Et qui relate un tout petit peu une certaine définition de l'amour dans tous les sens, mais plus encore. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a fait cette chanson, on s'est dit que Love, ce serait c'est l'équivalent du mot amour en français, mais vraiment sur toutes ses formes, hein, pas Love façon R&B, non mais le... si vous voulez bien le lien avec tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, essayer de réunir les gens. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Bon, pas peace and love comme dans les années 60, parce que on n'est pas à l'heure du baby boom, n'est-ce pas, Régine? Non, pas du tout. Surtout chez nous, mais il en faut quand même hein, dans ce pays le baby boom. Oui. Ah bon? Ah bah ouais. Ah bah disons, vous êtes déjà loin, mais en tout cas, revenons un tout petit peu en arrière, si vous le permettez. Revenons un tout petit peu en arrière, parce qu'on parle jazz, on parle musique et tout ce qui tourne autour. Mais il faut bien rappeler que Frédéric Gassita, c'est celui-là qui a fait des études en médecine, pour être dentiste, bien évidemment, mais qui... Hein? Ah bon? Bah oui, pour être dentiste. Non. Mais qui, justement, au début des années 80, a laissé tout tomber pour pouvoir poursuivre une carrière internationale dans la musique. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce choix subit? Bon, déjà, comme je le dis souvent, la musique et les études de médecine, et notamment quand vous faites de l'anatomie, c'est pas compatible. Il y avait des cours dans les cours de médecine. Bon, enfin, dans l'université de médecine, il y avait plusieurs cours. Il y avait l'anatomie, il y avait on disséquait même les corps qu'on nous envoyait de France et tout ça. Oui. Malheureusement encore. Et le problème, c'est que l'anatomie, c'était un cours, il y avait 7 livres. Chaque livre était épais comme ça. Et je ne pouvais pas. Et comme la nuit, j'allais dans les studios d'enregistrement de la place, notamment le studio Nkoussou, le célèbre studio. Et ce n'était pas possible. C'est-à-dire que j'allais en cours, et puis j'avais des notes qui sonnaient tout le temps. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Hein, pouvais plus. Et mon père a été découragé. Il a dit, bon, puisque celui-là, il ne sera jamais un médecin. On va peut-être l'envoyer aux États-Unis. C'était pour suivre les traces de votre père qui vous a demandé de faire de la médecine Voilà, un peu, c'était un peu ça. C'est-à-dire que le corps médical, plus ou moins. Hein, peut-être pas. Parce que comme lui, il est docteur en pharmacie, bon, je me suis dit que j'avais choisi dentiste parce que c'était les études les plus courtes dans le circuit. Dans le circuit des médecins. C'est 5 ans. Hein, le reste, c'est 7 ans, plus. Plus et plus. Voilà.
Mais bon, ça ne marchait pas. Hein. Ouais. Et directement, vous aviez des notes qui sonnaient dans la tête. Voilà, et vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que je ne m'arrêterais pas pour parler musique, pour vivre de la musique carrément? Non, je n'avais pas pensé vivre la musique, mais je m'étais dit, en fait, c'est lui qui a décidé de m'envoyer aux États-Unis parce qu'il se disait... À Boston? Oui, oui. Il avait peur que je reste là à ne rien faire. Il se dit, bon, comme j'ai toujours été débrouillard avec mes mains, l'électronique, et tout ça, je me débrouillais. Il s'est dit, bon, moi, l'envoyer aux États-Unis, il avait rencontré un frère gabonais là-bas, qui aujourd'hui est l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, Monsieur Michael Moussa. Et il m'avait envoyé chez lui. À Boston, il m'a dit, bon, écoute, trouve une école où tu pourras faire, comme aux États-Unis, on peut trouver des écoles comme ça, où tu peux faire plusieurs choses en même temps. Donc, il m'a dit, trouve une école et puis tu vas être ingénieur, quelque chose. J'ai cherché, il m'avait déjà calculé. Hein. Et je lui ai dit, je vais être ingénieur du son. Oui. Ah, il a dit, c'est bien. Et donc, je suis allé directement à l'école Berklee, College of Music. Il a dit, c'est bien. Il a dit, c'est bien parce que... Au moins, s'il va se spécialiser en voilà, que je vais devenir ingénieur du son. Oui. Sauf que le programme que j'avais choisi, c'était ingénieur du son et producteur musical et jazz pianiste. D'accord. Mais bon, j'ai omis tout ça là. J'ai juste parlé d'ingénieur du son. En fait, c'est le mot ingénieur qui l'a influencé. Voilà, exactement. Positivement. Positivement. Ouais. Si j'avais dit, je vais faire dans le son, il aurait dit non. Non, non. J'ai dit ingénieur du son, c'est... Il a dit, bon, voilà. Au moins... C'est pareil pour moi, animateur, mon père, il n'a jamais kiffé. Sans blague. Ouais. Quoique aujourd'hui, il est quand même fier. Bon, bref, on est là pour parler de Frédéric Cassita. Justement, des choix, des changements qui vous réussissent quand même bien, il faut le dire, parce que vous êtes l'un des Africains, sinon même le seul, à pouvoir réunir à lui seul le London Symphony Orchestra et le Royal Philharmonic Orchestra. Est-ce que c'était une volonté arrêtée ou bien c'était le fruit d'un hasard comme ça qui nous a amené à une résultante aussi parfaite que nous écoutons aujourd'hui depuis 4 albums quand même déjà? Non. En fait, quand j'étais à Boston, exactement en 1992, hein, quand j'étais vers la fin de mon cursus, je m'étais dit, je me suis rendu compte que, bon, c'est vrai, les études de jazz, le son, tout ça, c'était bien, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Et en fait, j'ai un ami, pianiste et batteur, qui joue avec moi d'ailleurs dans l'album, Patrick Goraguer. Donc on se retrouvait, puisqu'il était à Berklee avec moi, qu'on se retrouvait là-bas, des fois on écoutait de la musique, et il m'a fait... ses parents sont musiciens, son père est chef d'orchestre et arrangeur, il a arrangé beaucoup de chanteurs des années 70 en France, Jean Ferrat, pas mal de gens qui faisaient de la pop, hein, la musique pop française. D'accord. Et sa mère est pianiste classique, donc c'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit, il écoutait du jazz, il joue de la batterie. Ouais. Il a grandi dans le milieu, en fait. Dans le milieu. Donc, il m'a fait écouter des musiques symphoniques et tout ça. Bon, j'en écoutais ici, hein, quand j'étais petit, parce que ma mère écoutait du Beethoven. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est quand j'ai découvert Maurice Ravel, et que j'ai retrouvé les harmonies jazz dans cette musique, entre guillemets, classique, je me suis dit... Donc, en fait, nous, les jazzmen, on n'a rien inventé. Ouais. On améliore seulement. Voilà. On a mélangé ça avec les rythmes africains. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, c'est intéressant. Et je me suis penché là-dessus. Et je me suis dit, non, je vais écrire pour ça. Mm-hmm. Il faut que j'écrive pour l'orchestre symphonique. Et donc, je me suis lancé dans les cours. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais au Boston Symphony Orchestra pour voir comment ils répétaient, puisque... Comme les Américains sont ouverts, on a le droit d'assister à des répétitions de l'orchestre classique. Oui. On payait 9 dollars, je me rappelle. Ah, il faut payer quelque chose. Ah oui, faut, ouais, ça entre dans les fonds pour États-Unis, pouvoir faire vivre en fait l'orchestre. Ils vous ouvrent le symphonie, ce qu'ils appellent le Boston Symphony Hall, et vous allez assister avec. Donc j'allais acheter le ticket, mais j'allais acheter aussi le score musical des pièces qu'ils allaient répéter, parce qu'ils vous disent qu'ils vont répéter tel morceau de Beethoven, tel morceau de Mozart, tel morceau de... Pour que vous ayez aussi les notes lorsqu'ils seront en train de jouer. J'allais sur le balcon, et puis quand ils reprenaient, je suivais les répétitions avec eux. C'est comme ça que j'ai eu le goût de commencer à écrire pour l'orchestre symphonique. Et puis quand je suis rentré ici, j'ai continué. Et puis... Comment vous les rencontrez, en fait, pour vous les inviter pour jouer dans vos albums, quand même? Non, le London Symphony et puis le Royal Philharmonic, même si c'est parmi les meilleurs orchestres du monde,
on les contacte. Bon, c'est pas comme un, il faut voir le tour manager, enfin pas le tour manager, il faut voir le manager de l'orchestre symphonique, il faut prendre des rendez-vous, il faut ceci, vous remplissez des fiches. Même quand vous arrivez, ils jouent, ils vous demandent quel morceau vous jouez, combien de temps le morceau va durer. Vous n'avez pas le droit d'amener un musicien extérieur. Ah oui, d'accord. Oui, oui, vous n'avez pas le droit d'amener un musicien extérieur à l'orchestre. Que eux, en fait, si vous êtes, par exemple, je me rappelle, on a fait un morceau qui était à base de rythme Bali, rythme du Haut-Togo, voilà. Et moi, j'ai appelé Patrick, mon batteur, pour faire ce petit rythme, parce que lui, il a le truc. On a eu des plaintes de l'orchestre, comme quoi, pourquoi on a fait ça. Vous avez ajouté une petite note différente? Non, c'est pas à cause de la note, c'est parce que ils ont dit que pourquoi on amène un batteur alors qu'ils ont des percussionnistes agréés dans le London Symphony. Ouais. Voilà. Donc il faut absolument jouer avec les membres de leur orchestre. Voilà, mais on leur a expliqué que c'était un cas différent, c'est que c'était un rythme qui n'était pas du répertoire classique et que l'artiste avait l'habitude de faire ce genre de rythme-là spécifique, des rythmes ethniques spécifiques. C'est comme ça qu'ils nous ont laissé, mais c'était chouette. Il devait plutôt s'en réjouir quand même, c'était un peu original. Oui, mais bon. Oui, mais eux, mais ils ont une philosophie, ça. Ils ont une pratique, c'est comme ça chez eux. Alors, tu n'as plus que deux minutes, donc il y a eu des choix exceptionnels, mais ce qu'on a constaté depuis quatre albums aujourd'hui, c'est cette particularité, cette spécificité en fait que vous mettez dans vos chansons, parce que vous avez tenu absolument à rendre un fervent hommage à l'Afrique et surtout à votre mère patrie, qui est le Gabon. Et ceci depuis le premier album sorti en 2004, Forever Yours. Mais pourquoi justement cet amour que vous voulez montrer aux yeux du monde entier pour le Gabon, qui est votre pays natal, certes? C'est une manière, à ma façon, d'essayer de faire connaître le pays. Je vous donne un exemple qui est flagrant. Prenez la Bossa Nova au Brésil. Oui. La Bossa Nova, les Brésiliens sont connus. Quand on dit Bossa Nova, tout de suite on pense Brésil. Quand on dit Samba, tout de suite on pense Brésil. Donc, mais pourquoi ils ont reçu le coup? C'est parce que la Bossa Nova, quand vous écoutez, c'est vrai, c'est un rythme, c'est un rythme chaloupé qui tombe bien avec le bord de mer, Rio, la fille d'Ipanema et tout le tralala. Mais l'harmonie est très jazz et très européenne. Donc ils ont fait cette fusion, ils ont fait voyager ça dans le monde. Et maintenant, c'est... Et vous injectez aussi de voilà. temps en temps. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Donc je prends le rythme... le rythme de chez moi et je fais des mélanges avec les harmonies jazz, R&B pour essayer de faire connaître ça. Voilà. Et ça vous va d'ailleurs si bien parce que moi particulièrement, j'ai écouté l'album, je suis follement amoureuse de cet album-là. Et pourquoi en fait? Parce que lorsqu'on quitte d'un titre à un autre, c'est un voyage mais extraordinaire. Et l'un des titres que j'ai beaucoup apprécié, c'est Elegant Lady. Ouais, mais parlez-nous en fait de cette chanson, Elegant Lady. Il va la chanter d'ailleurs, je sens ça. Je sens que je vais la lui demander. Ah ben non, quand même. Qui nous explique et après. Voilà quoi. Non, en fait, Elegant Lady, ça représente justement la bossa nova. C'est-à-dire que c'est un rythme inspiré bossa nova. Oui. Parce que j'ai un amour énorme pour la bossa nova. Et quand quel est le morceau le plus classique de bossa nova connu dans le monde, qui a été composé par comment il s'appelait? Antonio Carlos Jobim. Oui. Il a composé un morceau qui s'appelle La fille d'Ipanema, The Girl from Ipanema. Donc, c'est un petit hommage, en fait, à ce compositeur qui a composé tellement de belles chansons. Et donc, je ne pouvais pas appeler la chanson La fille d'Ipanema ou La fille de Libreville. Je l'ai appelée La fille élégante parce que le morceau est lui-même... Je le trouve élégant, voilà. Voilà. Mais je crois que juste l'écouter parler, on a envie de l'écouter. Je crois bien qu'avec le public ici. Je m'y attendais. À quoi ça ressemble. Eh bien voilà. Cette chanson. Chers téléspectateurs, on va justement demander avec le soutien de Laura Deve et Frédéric Gassita ne va pas dire non à une si belle dame de nous jouer Elegant Lady. Thank you.
On en veut encore. Thank you.
Merci, monsieur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire rentrer en transe. Maintenant, je sens. J'y suis presque. Mesdames, messieurs, Frédéric Gassita, s'il vous plaît. Transporté totalement. Ouais. Il faut quand même rappeler que Kina Olami s'est inspiré des rythmes Bali, du Ho-Ogoué. Du Ho-Ogoué. Voilà, justement. C'est justement cette chanson qui a causé problème avec le London Philharmonic Orchestra. Qui a causé problème, si je non, c'est pas un tout petit peu. Qui a un tout petit... Vous avez injecté, en fait, un peu de tradition. C'est ce genre de rythme-là. Au départ, ils ont eu quand même des problèmes. Pourtant, c'est l'un des meilleurs orchestres au monde. Ouais. Mais ils ont eu des problèmes. Pourtant, tout était écrit. Mais nos rythmes sont tellement riches et tellement polyrythmiques, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui va par là-bas, un autre qui va par là-bas. Ouais. Et au début, ils se retrouvaient pas malgré la lecture. Mais il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Cela dit, il y a quelques jours, on a rencontré... un producteur américain qui est venu pour par rapport à l'école qui va être mise en place ici. Oui, on va en parler d'ailleurs. Et donc il a écouté ces rythmes-là, il était dépassé en fait. C'est magnifique. Il était dépassé. Comment c'est-à-dire pas qu'il, être heureux d'être gabonais quand même. Hein. Il me demandait comment je compte ces rythmes-là. Il ne savait pas. Il dit donc je lui ai parlé de manière technique, occidentale. Oui. Pour qu'ils comprennent ce qui se passe, mais malgré ça, c'était dur. Et donc le London, ils ont eu ce même problème, mais comme ils sont très très forts, ils ont regardé leur partition, ils ont calé, ils ont su qu'il y avait un métronome, un clic là, pas tac, et ils se sont mis dessus, et après ils ont donné ce que voilà. C'est que ça a donné. Voilà. Merci beaucoup, Laura Dave. Ouais. Instrumental, acoustique, bien sûr. Transporté. Tu parlais d'être en transe. Ben je suis. Et ben voilà ce que c'est. Alors Frédéric Gassita, après justement Laura Love, il y a un autre. Un animateur qui va nous rejoindre dans quelques instants, tu le connais, c'est sûr. Il est sur le Kilimanjaro Africa numéro 1 depuis près de 10 ans maintenant. Mm-hmm. Là, il est là avec nous. Allez, puisque je l'ai dit, Kilimanjaro, on pense tout de suite à qui? Mais à Jean-Jacques Mailly, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Et Jean-Jacques Mailly va nous faire le Mailly Time. Oui, exactement. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Laura. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir amis téléspectateurs. Franchement, c'est un album qui m'a transporté moi aussi. Parce que c'est vrai qu'on va parler des aspects purement techniques, Frédéric, mais permet quand même que je revienne en arrière. Parce que 4 albums, c'est pas un album. Et même qu'en un seul album, on peut déjà voyager. Mais 4, je pense qu'on a fait du chemin. Frédéric, lorsqu'on se souvient quand même des débuts de ta carrière à ce jour, et lorsqu'on regarde la fiche technique qui t'accompagne sur le 4e album, j'aimerais te tirer mon chapeau parce qu'il y a du beau monde. Et là, ce n'est pas un abus de langage, Laura, parce qu'on a vu souvent dans la plupart des albums, par abus de langage, on dit il y avait du beau monde sur tel album. Mais là, je crois que c'est le cas de le dire. Alors, si on retrouve un Guy Sangay à la base sur un album comme celui-là, quel plaisir. Ou encore ton ami avec qui tu étais à Boston, franchement, c'est-à-dire qu'on a ici affaire à de vrais professionnels. Ça reste du jazz. Même si tu y apportes ta couleur à toi. Alors j'aimerais, avant qu'on nous parle justement de la fiche technique à proprement parler en fait, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'apport justement des instruments gabonais, donc africains, dans le jazz universel, parce que ça reste une musique universelle. Quel est l'apport par exemple de percussions que j'ai entendu sur le titre Mbalancé ou encore à l'instant la chanson que nous venons d'écouter? L'apport de percussions traditionnelles c'est d'abord un apport d'authenticité. Oui. D'authenticité. Parce que la percussion qu'on entendait, c'est ce qui est logiquement utilisé dans les non-cérémonies rituelles, comme on dit au village. C'est ça qui est utilisé. Et c'est fait à partir de matières uniques. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le monde de la percussion, c'est vrai que les Occidentaux, ils ont tout imité. Hein. Je veux dire, les congas, ça vient des tam-tams, mais ils ont simplement... Bon, en même temps, on ne crée rien, on améliore. Voilà. Mais j'ai voulu utiliser ça parce que c'est quand même quelque chose d'authentique. C'est-à-dire que même si c'est de la fusion que j'ai fait, un mélange, il faut toujours garder le côté authentique pour que le... Comment dirais-je
les Occidentaux, puisque c'est eux qu'on vise des fois, oui. puissent sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. Si j'avais fait le même rythme avec un instrument qu'eux, ils connaissent, bon, ils vont dire, voilà, il a fait des recherches sur le plan rythmique. Mais là, il y a une recherche sur le plan rythmique, mais en même temps, l'authenticité de la sonorité. Oui, avec des apports nouveaux. Oui, tout à fait. Mais maintenant, l'accord, l'harmonie que tu crées, quand je dis tu, en fait, toute l'équipe derrière toi, parce que même si aujourd'hui, on constate que tu travailles avec des jeunes gens, notamment avec AWAX Music School, mais ces personnalités dont je parle, qui sont présentes sur l'album, c'est avant tout des tenors vraiment du... peut-être même par abus de langage, si je peux me permettre, on pourrait établir une comparaison avec les plus grands comme les Beethoven et tout cela, même si nous sommes à un niveau, j'allais dire, moyen, mais ça reste pourquoi pas musique. Se comparer à eux. Oui, ce que je veux dire, c'est bon, avec un peu d'humilité, dire que bon, d'accord, on démarre, mais ça ne nous empêche pas de nous rapprocher de ces sommets-là. Aujourd'hui, on parle en termes de référence de Beethoven et bien d'autres qui vous ont précédé dans ce monde-là, mais aujourd'hui, quand vous avez un Guy Sanguet à la base, quand vous avez ce beau monde, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme Thomas Savy ou encore tous ces musiciens qui vous ont accompagné, j'ai envie de dire, en Afrique, je ne sais pas s'il y a un deuxième jazzman qui a réuni autant de monde sur un album. Mais est-ce que c'est si facile que ça, quand même, d'avoir tous ces gens? Non, d'abord, oui, pour moi, ça a été facile, parce que, un, je connais Guy depuis 1991. D'accord. J'ai connu, parce que c'est important à savoir, Guy, il est venu jouer à Boston, je l'ai connu à Boston, quand j'étais à Berkeley. Ouais. Il est venu jouer, l'accompagner, un violoniste de jazz français qui s'appelle Jean-Luc Ponty. Ouais. Et il était venu, et donc, comme j'étais à l'école avec son cousin, qui s'appelle Jean-Christophe Doukingé. Ils sont cousins, donc il m'a dit, viens, je vais te présenter mon cousin, il vient de Paris. Ben, j'ai dit, bon, on est tous de Paris. Donc, et c'est comme ça que j'ai connu Guy. Et Patrick, lui, il était avec moi. Il faut quand même rappeler, hein, sans vous couper, Guy Sanguet, c'est le seul bassiste qui joue la basse avec trois doigts de la main gauche. Hein. Tout à fait. C'est le seul. C'est pour cela qu'on est ici, justement, parce qu'on a les Africains qui sont talentueux, mais on n'en parle pas suffisamment, à mon avis. Et là, on a la chance d'avoir quelqu'un... Ouais, trois doigts de la main gauche, qui peut le faire. Qui a une véritable vitrine, quand même, pour l'Afrique. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce sera certainement, je le souhaite, autour de Frédéric Gassita, de faire briller aussi, pas uniquement son pays, le Gabon, mais l'Afrique tout entière, dans le reste du monde. On l'a vu à travers cette belle chanson qu'on vient d'écouter. Mm-hmm. Franchement, c'est... On n'a pas l'impression qu'on est vraiment en Afrique, et mieux en Afrique centrale. Mm-hmm. Laura l'a dit tout à l'heure, Frédéric aura donc finalement été celui-là qui a été le seul Africain, jusqu'à ce jour du moins, à réunir ses orchestres philharmoniques. Par exemple, pour Guy, bon, Guy, il est venu jouer. Je l'ai appelé aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas le bassiste camerounais typique, même s'ils sont forts. Il y en a eu avant lui, hein, Aladji Touré, Vicky Edimo. Bon, quoi que ça vient toujours du Cameroun. Voilà, ça vient du Cameroun, monsieur. Ouais. Il y a même... il a eu cette ouverture d'esprit parce qu'en jouant avec Jean-Luc Ponty, il a voyagé à travers le monde. Et après, il a été appelé par des ténors américains, comme un guitariste qui s'appelle Kevin Eubanks. Et il a fait beaucoup de choses, il a même accompagné, il a même fait des basses pour Sade. Donc, je l'ai appelé parce que je savais que sur ce genre de rythme-là, même si j'avais pris un super bassiste américain ou un super bassiste français, il n'aurait peut-être pas compris. Mais lui, j'ai rien eu à lui expliquer. Il m'a fait écouter, il est rentré dedans. Parce que l'Afrique, que ce soit le Cameroun, le Gabon, je veux dire, c'est la même tradition. C'est le même rythme, un tout petit peu. Voilà, et la raison pour laquelle j'ai appelé Patrick pour ça, bon, d'abord, c'est parce que c'est un ami. Oui. Deux, parce qu'il m'a toujours épaté. Et il faut savoir que c'est un batteur qui est assez impressionnant, parce que d'abord, c'est un super pianiste. Oui. C'est un batteur, donc il sait lire la musique et tout. Mais une des particularités de Patrick Goraguer, c'est que, en plus d'être fort, c'est qu'il a énormément d'africanité en lui parce qu'il a passé toute sa jeunesse qu'à accompagner des artistes africains. Il a joué avec Oasis Diop. D'accord. Il a joué avec, avec pas mal d'artistes sénégalais. Il a joué avec Femi Kuti. Il a joué. Voilà. Il a tout le temps été baigné dans. Il a fait de la route en tout cas. Il a de l'expérience africaine. Voilà. Et comme c'est un gars qui connaît. Bon, il a étudié le jazz, donc la musique noire américaine, il l'a complètement avalé. Donc quand je l'ai appelé pour ce projet-là, c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'osmose, quoi. Oui, tout à fait. Que tous les trois. Et en plus, après, on a eu la chance de... Alors, ça, c'est un cas dont je tiens quand même à parler. Oui. C'est le guitariste qui a joué dans ces morceaux, qui s'appelle Alessandro Penisi, oui. qui est en fait, lui, un Brésilien. Oui. Alors, c'est pour faire le rapport entre le Brésil et l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un Brésilien qui est blanc. Oui. Enfin, wow. presque blanc. Hein, voilà. Oui. Mais quand je lui ai donné à jouer ce rythme, le Mbali,
Je lui ai dit, bon, voilà comment la guitare fait. D'abord, c'est un super guitariste. Il est... Il accompagnait pas mal d'artistes aussi. Il est dans l'univers du jazz et autres, mais il est très, très distrait aussi. Voilà, il est très discret. Très discret. Il est à San Paolo et tout. Oui. Mais quand je l'ai... Le gars, il est tout de suite rentré dans ce moule. Et je peux vous garantir que Guy et Patrick étaient en train de le regarder comme ça, mais... Tu sais, Frédéric, notre Brésil et le Gabon étaient collés à l'époque de la Pangée. Normalement. Le continent unique. Ouais, voilà. Normalement. Et voilà qu'on va dans les cours d'histoire et de géographie, directement. C'est un peu normal qu'ils comprennent tout ça. Jean-Jacques, ouais. Alors, le mariage, justement, entre tous ces instruments. Je sais que la musique, elle reste universelle et qu'une guitare, c'est une guitare. Mais dans le monde du jazz, pour les personnes, bien sûr, les mélomanes lambda, on va le dire entre guillemets, comme nous autres, on a le sentiment que ça reste quand même musique élitiste. Est-ce qu'il y a des choix particuliers pour tel son de guitare ou tel son de piano, par exemple, pour véhiculer en fait, une émotion ou quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a une sensibilité. Par exemple, pour ces morceaux-là, j'ai voulu une guitare acoustique avec des cordes en nylon, plus communément appelée guitare classique. Oui. Pourquoi? Parce que c'est toujours c'est plus près de l'acoustique, donc de l'authenticité des rythmes de chez nous. Bon, j'aurais pu mettre une guitare électrique, hein, c'est pas interdit, mais ça aurait fait vraiment fusion. Tandis que là, je garde cette sonorité acoustique. En même temps, c'est un petit clin d'œil au Brésil, parce qu'ils utilisent beaucoup cette guitare. Jean-Jacques, tu as 2 minutes. Oui, très rapidement, j'aimerais... 2 dernières choses. Oui, mais en 2 minutes. 2 petites. Alors, la première, c'est que nous avons parcouru l'album, un album de 11 mélodies. On a vraiment voyagé. D'ailleurs, le voyage se referme puisqu'on part de Libreville pour Rio. Je crois que là aussi, on a réussi à conférer cette Afrique s'est détachée finalement et qui est devenue le Brésil. Mais la deuxième chose, c'est on a le sentiment, d'ailleurs on l'a lu sur l'album, qu'en citant une personnalité que nous connaissons tous, pour certains d'entre nous, on a déjà entendu parler de cette prouesse artistique, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, mais là pour une fois, il réapparaît sur cet album comme étant l'un des producteurs, l'un des compositeurs. Je parle de Ali Bongo Ondimba. Quel a été l'apport véritable donc, de cette personnalité sur cet album? L'apport, c'est un travail vraiment de ce qu'on appelle la co-composition. D'accord. C'est-à-dire que quand 2 personnes ou 3, mais généralement 2 personnes... Alors tout de suite, il prend une posture solennelle. Non, je tiens... Ah oui, mais c'est normal. Je tiens à expliquer pour que le public comprenne bien. Ouais. C'est-à-dire que quand on compose à deux, vous utilisez les influences de l'un pour pouvoir améliorer ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si j'ai une mélodie qui vient dans ma tête comme ça, avec une harmonie, le co-compositeur va dire « Ah, mais moi, j'entendais ça. » Et après, vous réfléchissez, ah oui, mais pourquoi j'avais pas pensé à ça? Oui, mais c'est valable pour toutes les chansons, parce que all songs composed and arranged. Voilà. Mais c'est ce que je veux dire, c'est un travail, c'est une collaboration. D'accord. Comment dirais-je? Le problème avec les vrais jazzmen, comme moi, que je suis, c'est que des fois, quand on travaille seul, on s'emporte. D'accord. Et on va peut-être faire des choses que les gens ne vont peut-être pas comprendre. Donc, quand vous travaillez à deux, l'autre personne peut dire « Ah mais, oui, mais ça c'est un peu bizarre, est-ce que le match... » Voici un truc peut-être plus simple. Et donc, ça simplifie, parce que ce que moi j'essaie de faire, c'est pas faire du jazz pur. Je sais jouer du jazz pur. Bon, on va simplifier, Frédéric. Voilà. Tu as dit, je t'ajoute une minute comme tu as parlé de lui. Parce que tu parlais de simplicité, on va être simple, pragmatique. Je prends un exemple. Sur le Message of Love, qu'est-ce que Ali Bongo a fait C'est lui qui a trouvé la mélodie. D'accord. Et moi, j'ai juste trouvé les accords qui allaient avec la mélodie qu'il a trouvée. Bon, vous savez, on peut comprendre certaines choses et d'autres personnes comprennent aussi d'autres choses. Certaines personnes peuvent qualifier en fait cet album d'un album à caractère politique. Non, je ne pense pas. D'accord. Non, moi, c'est beaucoup plus parce qu'on a entendu parler de l'homme comme étant musicien, mais on n'a jamais vu l'œuvre en fait en tant que tel. Et puis, il y a une chose. Moi, je me rappelle. Dans les années 70, quand j'avais 12 ans, je suis allé voir un de ses concerts au cinéma Le Como. J'étais dans la salle. Il a rappé? Non, il ne rappait pas à l'époque. On ne sait jamais. Voilà. On sait jamais, après. Il fallait éclairer la lanterne. Non, c'est pour ça que c'est vraiment un travail de collaboration, hein, de collaboration musicale, prendre l'idée de l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a eu des grands succès. Merci, voilà.
Alors, on a parlé d'Ali Bongo. Il est avec Jimmy Yondo, d'ailleurs, voilà, à ce concert-là. Hein. Et parlant de Jimmy, moi, je pense à Jimi Hendrix. Je ne sais pas avec combien de doigts il joue à la guitare, parce qu'il était gaucher lui aussi. Mais nous, on a trois questions. Peut-être avec les quatre ou les cinq doigts, mais bon. Nous, on a trois questions du public. Et je vais commencer tout de suite par Monsieur Awax. Je ne sais pas de quel côté il est, Monsieur Awax. Ah, il est là. Ah, alors, j'ai une question. Nous savons que vous êtes un musicien polyvalent. Et que le piano reste votre instrument de prédilection. Alors, je voudrais savoir quel pianiste qui vous a influencé durant votre parcours de musicien, de pianiste, quel pianiste qui vous a marqué, vous a influencé. Bon, ça c'est une question que je pense tout le monde connaît, hein, plus ou moins. Enfin, les gens qui sont proches de moi. Qui sont proches de vous, alors. Même certains qui sont loin. Ouais, c'est qu'une oreille attentive. Qu'une oreille attentive. Quand j'ai commencé le piano, j'ai commencé par ce qu'on appelle le boogie-woogie, le blues. C'était simple parce que mon père aimait ça. Mais celui qui a commencé à vraiment m'influencer, à m'intéresser, me faire intéresser sur le piano, c'est Oscar Peterson. Oscar Peterson, quand j'étais jeune pianiste, j'avais l'impression que j'avais affaire à un pianiste herculéen. Je me suis dit, est-ce qu'on peut y arriver un jour, compliqué cette affaire. OK, bon, j'ai continué à mener ma vie. Mais comme je suis guitariste aussi, en fait, il faut savoir que j'ai commencé la guitare avant le piano. D'accord. Donc un peu polyvalent aussi, hein. Oui. Multi-instrumentiste de temps en temps. Guitare, basse, programmation. J'ai commencé par la guitare. Donc, parallèlement, j'avais des guitaristes que j'écoutais, des pianistes. Et après, c'est George Benson qui m'a fait découvrir le jazz, en fait, par le jazz fusion. Et après, je me rappelle, en 1981, quand j'étais dans ma jeunesse, j'ai découvert Herbie Hancock. Alors la vie a changé. Ouais. Quel gamin de l'époque ne connaît pas Herbie Hancock. Voilà, la vie a complètement changé. Un seul titre, Rocket. Et à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier. Après, il y a eu Chick Corea, après il y a eu Keith Jarrett. Voilà, c'est les trois... influence majeure en tant que pianiste. Il y en a eu d'autres après, hein, Billy Childs, mais ça c'est quand j'étais déjà... Voilà, c'est quand on cherchait. Et aujourd'hui, vous êtes le modèle de pas mal de personnes. On est toujours le modèle de quelqu'un. J'ai eu la chance de rencontrer Herbie Hancock à Los Angeles en 91. Et je lui avais dit, mais vraiment, je lui avais dit, vous êtes mon idole. Parce que quand vous jouez, c'est pas... Il me dit, mon cher Frédéric, moi, quand j'écoutais Oscar Peterson, je me demandais si un jour j'allais être pianiste. Il m'a dit, donc ça veut dire que chacun a quelque chose en soi que l'autre n'a pas, donc continue de travailler. Voilà. Alors, on a une deuxième question, c'est celle de M. François. Bonsoir, M. Frédéric Gassita. Bonsoir. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le sample ou alors la reprise de l'une de vos compositions vous effraie? Non, pas du tout, parce que je fais partie je fais partie de ce monde-là qui ne dit pas non à la technologie. Et si demain on vient me sampler, ça veut dire que j'aurais fait du bon travail quelque part. Voilà. Donc, au contraire, samplez-moi. Puis ça m'a rapporté des droits d'auteur. Ça me fait penser à un grand chanteur gabonais, d'ailleurs, Edred Paul, qui disait « Piratez-moi, piratez-moi. » Au moins, on me connaît. Mais quelque part, il n'avait pas tort. Hein. Ah bah voilà, tiens. Vaut mieux être piraté et être dans la lumière qu'être pas piraté et être dans l'ombre. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ouais. On a une dernière question, c'est M. Berlec Lekoba, c'est ça? Exactement. Allez-y. Bonsoir M. Frédéric Gassita. Bonsoir. Alors, vous faites dans une orientation musicale assez particulière, je veux dire... Très particulière d'ailleurs, parce que vous faites dans du jazz, et Dieu sait que c'est pas la chose la mieux partagée au Gabon. Quand on regarde la configuration actuelle, l'environnement Gabon, est-ce que vous sentez, vous voyez des jeunes qui veulent et qui peuvent exceller plus tard dans ce genre de musique? Ils sont là avec moi, ces jeunes. Je profite pour dire que j'étais agréablement surpris par ces jeunes-là. Parce qu'ils sont très jeunes, hein. Et ils ne sont pas des gens qui, on va dire, ils ont déjà la trentaine, 35 ans, ils sont très jeunes. Mais l'expérience que j'ai, c'est reconnaître quand il y a un talent. Et je peux vous garantir que ces messieurs-là, s'ils continuent à travailler, on est garanti d'avoir de la relève.
Et c'est pour ça que je félicite donc M. Awax ici, leur directeur qui est là. Ah, je me disais bien qu'il y avait un rapport avec ce monsieur. Oui. Voilà. Awax Music School. Leur directeur qui est là pour le travail qu'il a accompli. Et je leur dis de continuer de travailler parce qu'il n'y a que ça qui paye, hein, de toute façon. Il n'y a que le travail qui paye. Mais on a du talent. On a vraiment du talent. J'ai fait quelques répétitions avec eux. C'est assez exceptionnel. Hein. Je pèse mes mots. Hein. Mais d'ailleurs, je vous ai surpris en backstage, hein, pendant qu'ils étaient en train de jouer. En off, là, vous avez dit, ah, j'ai pensé que c'était un CD. C'était un CD. Ah, tu l'as entendu, Laura, toi aussi. Parce que j'entendais, je me suis dit, bon, ils ont mis un CD de... Non, c'était eux. Alors, on m'a dit que c'était eux. Mais pourquoi ne pas les applaudir, ces jeunes, vous? Sur votre institut que vous allez mettre sur pied très bientôt, African Music Institute, mm-hmm. dont vous êtes d'ailleurs le président. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, bah c'est un projet toujours... Voilà, c'est un projet que... On sait très bien que notre président, M. Ali Bongo Ondimba, est un amoureux de la musique, est un amoureux de son pays d'abord. Donc, et il voudrait que son pays évolue à tous les niveaux. Mm. Bon, lui étant un musicien, l'opportunité s'est présentée pour mettre en place cet institut de musique parce que moi j'étais à Berkeley et qu'on a rencontré et que certains dirigeants de Berkeley sont venus ici au Gabon. Mmh. Ils ont vu la possibilité, ils se sont dit pourquoi ne pas faire une école panafricaine, un institut panafricain de musique où Berkeley serait l'espèce de lien, parce que c'est quand même la meilleure école de musique au monde. Oui. Et c'était une volonté des dirigeants de Berkeley, parce qu'il faut savoir qu'ils ont ouvert un Berkeley en Espagne, mm-hmm. à Valence. Mm-hmm. Une école qui marche très bien. Hein. Ils ont fait une extension à Valence. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aux États-Unis, d'être en Europe, d'aller suivre ces cours-là. Et c'est cette volonté qu'il y a eu de vouloir le faire au Gabon. Bon, donc c'est une filiale en fait. Non, c'est pas vraiment une filiale, c'est plutôt même pas une antenne, c'est une école, un institut de musique avec comme partenaire Berkeley. C'est-à-dire celui qui arrive à avoir son diplôme là, il aura toutes les facilités pour aller terminer à Berkeley. Voilà. Ah, c'est un partenariat en fait. Voilà, c'est un partenariat. Et pourquoi le Gabon? Les gens vont dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ailleurs? Le Gabon, parce qu'il se trouve que... Vous êtes là? Je suis là, voilà, j'ai fait Berkeley. Et surtout, j'ai tellement fatigué le président de la République avec cette école. Il s'est dit, non, mais il faut quand même que je voie ça de plus près. Ouais. Donc, on a fait un voyage. On est allé à Boston en septembre dernier. Et quand les quelques personnes qui étaient là, les quelques journalistes ont vu ce qu'était l'école, beaucoup m'ont dit, on comprend, on sait d'où tout vient maintenant. D'accord. Oui, parce que... Quand vous visitez une école comme ça, vous voyez la musique qu'il y avait. On a eu la chance de pouvoir assister à des cours, des profs, on rentrait dans les salles, c'est tout équipé, c'est un environnement musical. Et puis aux États-Unis, il y a tellement de compétitions que quand vous travaillez, vous travaillez. Je crois que c'est très important de pouvoir mettre sur pied cette école African Music Institute parce qu'on a constaté que nous sommes à l'ère de la mondialisation et beaucoup de musiques qui sortent aujourd'hui dans les bacs et autres sont des musiques instrumentalisées. Mmh. C'est-à-dire c'est tellement machine et on a de la peine à trouver en fait des personnes qui jouent des vrais instruments, des personnes aussi qui font du live, parce que la plupart des concerts, même, c'est des semi live ou encore du playback, tout simplement. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, si j'ai le temps, on peut le dire. En 30 secondes. Il y a aussi la volonté des dirigeants de Berkeley de venir ouvrir cet institut-là, c'est parce qu'ils ont bien compris que c'est en Afrique qu'ils trouveront les prochaines perles mondiales. D'ailleurs, ils ont eu l'occasion de visiter Africa numéro 1 en présence de Jean-Jacques Mahi. Voilà. Et aux États-Unis et surtout ces écoles, ils ont compris qu'en Afrique, il y a un potentiel énorme. Mm-hmm. Et ils veulent être là. Et une volonté aussi, exactement. Surtout. Voilà. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut, moi, ce qui est déjà de la volonté. Voilà. Donc nous, on a de la volonté. Voilà. Et l'opportunité est là, justement. Voilà, l'opportunité. Alors, moi, j'ai 2 minutes hein, sur le temps de Jean-Jacques Mahi. Merci, oui. King J. Ah ben, 2 minutes, c'est passé il y a longtemps. Hein. Non, sur son temps, parce que j'ai vu qu'on pouvait apprendre une dernière question de monsieur Edgar Yonkeu, qui brûle d'envie de la lui poser à lui, à Frédéric Gassita. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hein. Bonsoir Fred. Bonsoir. Mais tu progresses encore. Je ne savais pas que Messi pouvait progresser en football. Mais en fait, tu progresses encore. Ce que je veux dire, même quand tu as le talent que tu as, tu travailles encore. Et ça, c'est top.
Voilà, c'était ça. Ouais, pas c'était pas une question en fait. C'était juste question. Un petit compliment voilà. pour petit l'artiste, compliment. Le grand artiste. Non, non, c'est surtout dire qu'il faut toujours travailler, quoi. Le travail, on n'arrête pas. C'est ça, il n'y a pas de souci. Et chaque fois que je te vois, je vois que tu progresses dans le ternaire, tu crées, c'est dingue. C'est bien. D'accord. My experience. My experience. My experience. D'ailleurs, justement, en parlant de My Experience, il y a une petite rubrique dans cette émission qui s'appelle My Experience Challenge. Yeah. Et c'est toi qui vas faire ça, Connie. Oui, My Experience qui est en fait une introspection musicale et personnelle de Frédéric Gassita, parce que là, vous nous racontez des histoires merveilleuses de vos voyages, de vos rencontres et autres. Alors, le petit challenge que j'ai bien voulu qu'on puisse exercer sur ce plateau, ça va permettre en fait aux uns et aux autres qui sont à la maison et surtout à ces deux-là, et pourquoi pas à vous, de nous faire savoir s'ils connaissent exactement l'album qui est le quatrième d'ailleurs de Frédéric Gassita. Et d'ailleurs, je voudrais commencer par une question, messieurs. Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est dessiné sur le chapeau de Frédéric Gassita sur la pochette de l'album? Puisque vous avez eu l'album, donc j'espère que vous avez l'album. Régis, d'abord. Et pourquoi moi? Je passe la main. Est-ce que vous avez d'abord constaté qu'il y a un chapeau? Oui, il y a un chapeau avec des touches de piano dessinées dessus. Moi, je n'ai pas vu de chapeau, j'ai vu une tête nue. Mais non, il y a un chapeau sur le fauteuil. Oui, bien sûr qu'il y a un chapeau. Il y a un chapeau sur le fauteuil, donc à l'image, on peut justement voir cela. Alors, un autre challenge, du moins c'est une autre question. Est-ce que vous pouvez me donner le titre de la chanson la plus longue et le nombre de minutes que cette chanson fait? Aïe. Jean-Jacques? Il y a 11 titres, hein. Je crois que c'est me balancer. Il y a plus de 7 minutes. 7 minutes, 10, 13. Je fais partie du challenge, non. Non, non, toi, non. Proposition, Régis. Bon, en général, les morceaux de jazz sont très longs. Je fais confiance à Jean-Jacques Mahi. Voilà, c'est justement balancé qui est, qui est le titre numéro 3. Le 3. Voilà, et c'est un titre qui est en featuring avec Soke. Soke, oui. Mm-hmm. Parlez-nous un tout petit peu de cet artiste. It's okay. Soke. Soke? Écoute, Soke, elle est là, hein, toute jolie, là. Elle est gabonaise, surtout. Elle est gabonaise, oui. Oui. Écoutez... j'ai connu Soke en 97, elle était toute jeune, avec mon groupe, avec... Ochibaka 4? Non, c'était... on avait changé de nom déjà. Ah. On était... Black Songo. Black Songo. Vous en avez tellement changé, non? Non, Black Songo, c'est parce qu'on commençait à faire de la salsa, il fallait trouver le nom. Il fallait changer un nom, voilà. Et à un moment donné, on cherchait des choristes, et puis elle était arrivée comme ça. Puis on a commencé, puis on s'est rendu compte qu'elle avait une belle voix. Et puis on a gardé ce rapport parce que c'est... alors, ce qui m'a souvent épaté avec elle, c'est l'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses, mais qui se contentent d'être dans leur monde, dans un monde... qui chantent très bien, qui font très bien ce qu'ils font. Mais elle avait une facilité à rentrer, à faire du R&B, un peu de jazz par-ci, un peu de bossa, un peu... Enfin, tout, voilà. Et souvent, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que donc, ça dénote une habilité et puis un amour pour ce genre de musique-là. Voilà. Voilà. Donc, Balancer, c'est le titre plus long de l'album, 7 minutes 10. Hein, oui, mais j'aimerais quand même, Laura, qu'on parle aussi du monsieur juste à côté de Soke, parce qu'il n'est pas là par hasard, non plus. Non, il n'est pas là par hasard. Chris... C'est un jeune chanteur qui fait partie de notre maison, la Ivy Productions. Et je dirais que c'est vraiment la voix pure R&B du Gabon. C'est-à-dire que je confirme. Il a cette habileté pour recréer. Il a la voix très puissante. Il a la justesse dans le ton. Et il a une certaine originalité dans son timbre de voix. Pourquoi? Parce qu'il est gabonais. Et donc, même quand on interprète des morceaux R&B, on a toujours notre culture qui sort. Hein. Beau l'appuyer, on peut l'appuyer, elle finit par sortir. Alors, il a la voix. Est-ce que Frédéric peut lui trouver une voix maintenant? On a déjà fait quelques singles. Mais vous savez, malheureusement, ici, chez nous, pour beaucoup de musiciens, et Jean-Jacques le sait, beaucoup sont obligés de faire un travail autre que la musique pour pouvoir arriver, la femme, les enfants, et ainsi de suite. Qui fait que donc, mais on est en train de travailler. On a ce plan-là pour 2016 parce que on profite que justement de tous ces
tout ce qu'on est en train de faire, ces émissions-là, voilà. pour faire connaître les artistes, oui. Et puis à un moment donné, les lancer. Quoi. Voilà. Ton challenge continue. Bah, mon challenge continue parce que pour ceux qui sont en train de regarder, si vous êtes cardiaque ou bien si vous avez un tout petit peu mal aux yeux, je vous demanderai de vous retirer un tout petit peu pour ne pas accentuer le mal. Parce que je voudrais qu'on zoome un tout petit peu sur cette pochette. Un peu zoomé, là. Voilà. Alors, cette position. Régis. Oui. Jean-Jacques. Oui. Vos deux. Lui, il est le juge. Monsieur Frédéric Sica, c'est lui le juge. Je voudrais que vous puissiez me reproduire cette même posture. Ah. Vous avez bien regardé. Toutes les dames sont marres derrière. Vous avez regardé, donc. Ça va être compliqué. Hein. C'est Frédéric qui est le juge. Hein. D'accord, je commence. C'est pas évident quand même, non, je veux le dire. Je passe la main à Régis parce que. Ah non, je commence. Qui commence bon, Régis commence, ouais. D'accord. Je vais voir encore la poussière. Déjà, premier problème, il n'y a pas d'accoudoir. Ouais, ça, c'est le problème. Ça. Mais je. Voilà, les pieds croisés déjà. Ah, bah, semi-croisés. Voilà. On va ici. Et puis, il y a une main là, comme ça. On y est, c'est parfait. Hein. Les pieds croisés. Ah ouais, cool. Ouais. Mais c'est lui qui juge. Alors, Jean-Jacques. Non, c'est pas évident. Je sais pas, mais je crois qu'il manque l'accoudoir. L'accoudoir. Alors, Frédéric. C'est ça ? Non, je sais pas. Qui a gagné ? Non, je pense que Régis a gagné quand même. Toujours ! Bravo. Voilà, essayez aussi à la maison, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, c'est tout pour mon challenge. On peut dire quand même que vous êtes des très bons élèves. Merci. Ah ben oui, merci. Merci, Laura. Justement, Frédéric Gassita, notre émission s'achève. Mm-hmm. Elle s'achève, mais pas comme ça. Parce qu'après cet outro, après la conclusion, vous allez encore nous jouer deux petits morceaux. Quand je dis petits... Trois. Ben, c'est comme tu veux, tout l'album même, pourquoi pas. Sparkless of love, voilà. Mais my avant country, ça, my joy. J'aimerais quand même qu'au finish, comme ça, que tu aies quelque chose à dire. Nous, on pose plein de questions, mais parfois, on ne pose pas toutes les questions. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Non, mais... Et donc, c'est ce que je veux dire. Moi, je fais de la musique parce que j'aime ça. J'ai tenu, j'ai mes frères qui sont là, qui m'ont vu commencer la musique, avec qui on a fait de la musique. Et j'ai tenu Mordicus parce que bah, on aime ça. Et puis bon, j'en ai fait une profession. Et mon père avait été étonné de constater, quand il est arrivé aux États-Unis, de voir à quel point la musique, le musicien est respecté. C'est vrai qu'il y en a qui galèrent, hein, parce que tout le monde ne peut pas réussir. Ah, tout le monde ne peut pas réussir, tout le monde n'a pas de talent. Mais moi, je me rappellerai toujours. Pour finir, je me rappellerai toujours, chaque fois que je rentrais de vacances et que je repartais aux États-Unis, j'arrivais avec mon instrument, les douaniers américains, à l'immigration, pas les douaniers, l'immigration, ils regardaient, passeport Gabon, vous venez faire, ils voyaient, je suis étudiant, vous allez à quelle école ? Berkeley. Vous êtes musicien ? Oh, vous jouez de quel instrument ? Votre piano ? Oh, vraiment, c'est magnifique, vous êtes dans une grande école. Allez-y, et on va vous aider. Chaque et fois, c'est parce que... Et le papa, il était bluffé. Oui, non, mais c'est pour vous dire qu'on fait un métier noble. Et que je pense qu'en Afrique, on devrait apprendre, en Afrique, au Gabon et en Afrique, on devrait peut-être plus considérer les musiciens parce que c'est un travail de longue haleine. Hein, c'est pas facile. Voilà. Merci Frédéric Gassita. Merci à Laura Dave. Merci Régis. Et Jean-Jacques Mahi, merci beaucoup. Merci Régis. Voilà, c'est avec un plaisir hein, qu'on a passé ces moments avec vous. Je vous invite maintenant à découvrir une fois de plus Frédéric Gassita avec deux magnifiques chansons, si ce n'est trois selon la volonté de Laura Dave. Oui. Sur ce, on se dit à bientôt et bonsoir chez vous. Oh,
sur le bord de mer, c'est plage brille. Moi je veux te voir danser, cadencer, balancer, un bali emballé. Embrasser ton corps entier, n'y est pas, n'y est pas, n'y est pas, et t'enlacer. Sur un oiseau.